Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté nous porter encore une fois tout ça qui a dominé l'actualité football là pour notamment équipe Liverpool là lui-même qui avait gagné à domicile 3 goals à 1 équipe Newcastle là avec un gros goal de Alexander Arnold. Nous avons venu avec résumé goal et réaction à la presse pour vous. Donc, côté par l'équipe Chelsea à domicile, il n'y a pas de faire plus que un match, un goal partout face avec l'équipe Everton. Nous avons venu avec réaction à la presse pour vous également. Tirage au sol, Ligue des Nations dans zone Euro, et bien tirage au sol complet, nous avons venu avec lui pour une vidéo aussi là également ensemble avec groupe de la mort là. Et pourquoi pas nous prendre dans le pays Portugal avec Cebolian lui-même qui t'a supposé quitter l'équipe Benfica de Lisbonne. Dans le pays l'Espagne, tête chargée après que mauvaise nouvelle tombée pour l'équipe Real de Madrid après que plusieurs joueurs testés positifs au Covid-19. Et bon côté équipe FC Barcelone t'a supposé gagner un pile changement pour Ferran Torres capable de briver dans l'équipe ça, notamment en sortie de Ousmane Dembélé. Mais bon, côté par le journal, ça fait qu'on est que si pour Ferran Torres ça tourne, et mais faut que tu avances, continue lui-même by n'importe l'autre équipe. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football. On a ponti pause après pause, on a tourné avec tout détail au coup. On commence à vivre ça dans le pays de la France avec journal l'équipe qui vient avec une déclaration de Benjamin Pavard qui fait connaître que peu de gens savent ce que j'ai vécu. Dans un entretien à l'équipe, le défenseur des Bleus qui dispute ce soir son 100e match avec le Bayern parle de sa période difficile liée à la crise sanitaire. Il s'explique aussi sur ses performances controversées en équipe de France. Donc, quitter le pays de la France, nous parlons directement dans le pays Portugal avec Journal ça qui c'est à Bola qui mettait à la une c'est Brian Noël sans Jésus. Dans le pays Portugal, actuellement, il y a joué la Coupe de Portugal et il y a un classico qui permet de face à face FC Porto face avec Benfica de Lisbonne. Mais Journal là qui fait qu'on est que c'est pas capable sans Jorge Jesus lui-même qui s'est entraîné équipe Benfica de Lisbonne puisque il y a un tribunal qui décidé pour ne pas participer. Et bien, il y a Sergio Conceição lui-même tout qui capable rater match si là, notamment avec tribunal qui pour décider après des sanctions que tu es prêt contre entraîneur si là. Il a toujours été dans le pays Portugal avec une autre nouvelle qui est au journal record fait qu'on est que Everton Cebolinha, international brésilien, lui menacé pour quitter le club Benfica de Lisbonne. Non? Il y a un joueur qui est équipe Benfica a été acheté dans l'équipe Grêmio dans le pays Brésil pour 20 millions d'euros. Et mais après mécontentement pour tant de jeunes dans l'équipe, ça, MLK a venu quitter l'équipe là selon le journal ça. Si un joueur qui a quitté, un joueur qui a venu également, mais c'est une équipe FC Porto avec Jean Ojogo qui fait qu'on est que Semedo International Portugal qui a rejoint Dragon. Mais il fait qu'on est que Semedo va être un dragon. En effet, il a même fait un prêt pour lui là, donc avec 250 000 euros pour côté équipe Olympiakos avec une option d'achat entre 5 à 5 millions d'euros. Il y a une très bonne nouvelle donc pour International Portugal qui a quitté le pays la Grèce pour retourner dans le pays Portugal. Nous parlons dans le pays l'Angleterre avec le journal Daily Star qui vient sous match nul, un goal partout, équipe Chelsea à domicile face avec Everton. Journal là qui mettait à la une Brentastic Rafa. Après que l'équipe Chelsea a été ouvrie score en deuxième période là, à la 70e minute de jeu, 4 minutes plus tard, c'était Jarrad Brentwaite qui même qui était une égalisation pour l'équipe Everton là, et sauver match ici là. Et bien mes amis, comment ça a été en résumé, c'était Mason Mount qui était ouvrie score à la 70e minute de jeu pour l'équipe Chelsea. Après 4 minutes seulement, l'équipe Everton avec Jarrad Brentwaite qui a eu une égalisation à la 74e minute de jeu, match qui a été terminé, un goal partout. On a toujours été dans le pays d'Angleterre, cette fois-ci avec victoire, équipe Liverpool là, à domicile, 3 goals à 1 face avec l'équipe Newcastle United. Là. Mais notamment avec un très bel goal de Trent Alexander-Arnold à la 87e minute de jeu pour te mettre 3e goal là. Le journal là qui fait connaître, c'était un rocket de Trent Alexander-Arnold. Elle souligne également ça fait 2000e victoire équipe ça lui-même qui c'est Liverpool dans la première ligue là. Et bien mes amis, comment ça a été en résumé, c'était John Joe Shelvey qui était ouvert score pour l'équipe Newcastle là, à la 7e minute de jeu, très bel goal. Mais quand même Diogo Jota lui-même son goal qui était vraiment fait polémique à la 21e minute de jeu, était égalisé pour l'équipe Liverpool là puisque tu as deux joueurs qui étaient là. Mohamed Salah à la 25e minute de jeu, tu as venu mettre 2e goal là pour l'équipe Liverpool là toujours dans la première période là. Mais quand même, David prend avantage 3 goals à 1 avec un très bel goal de 25 mètres de distance que Alexander Arnold a vu mettre à la 87e minute de jeu. Un très bel goal, j'en ai regardé à la. On continue toujours dans le pays d'Angleterre avec Daily Mail qui fait qu'on est que gagné un mascarade de Covid-19 l'autre bois dans la première ligue là. En effet, pendant le week-end ça, et même moitié dans le match déjà reporté, notamment Leicester qui devrait jouer Manchester United avec plusieurs autres matchs toujours. Mais le club là qui était vraiment peu là pour pas camper saison là donc temporairement. Mais quand même il y a l'autre match qui pourrait jouer également. Et mais ça qui fait gagner un pile parler un pile sous continuer saison ou bien faire un petit camper temporaire. Bref, bagarre qui est vraiment compliqué après plusieurs cas de Covid-19 avec un pile joueur qui pas vacciné, qui pas voulu prendre vaccin dans le pays l'Angleterre.
Et toujours dans le pays d'Angleterre, il y a un journal Daily Star lui-même qui vient avec tirage au sort Ligue des Nations pour le mettre à la une les Three Lions qui tombent dans le groupe de la mort. Mais le pays d'Angleterre qui tombent dans le groupe presque même genre avec comment ça t'est dans l'Euro qui gagne là-dedans l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Hongrie. Et maintenant, la Ligue A gagne 4 groupes. Premier groupe là, c'est France, Danemark, Croatie, Autriche. Deuxième groupe là, gagne Espagne, Portugal, la Suisse avec la République tchèque. Dans le groupe 3, gagne Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. Dans le groupe 4, là, gagne la Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de Galles. Ou même mettez opinion pour qui groupe vous pensez qui groupe de la mort et qui groupe vous pensez qui plus équilibré. Mettez opinion pour dans un commentaire. Et bien, tirage là au complet, n'a pas rappelé, mes amis, c'est chaque premier dans chaque groupe qui pourra qualifier pour un final fort et même qui pourra monter ou bien descendre dans la deuxième division. Ça veut dire dans le groupe C, groupe D, groupe A, groupe B. On va retourner avec tirage groupe A encore une fois pour demander qui 4 pays ou pensez qui a terminé premier dans chaque groupe et qui va jouer Final Four là pour qu'elle vienne champion Ligue des Nations. Hein? Est-ce que la France est capable de gagner le trophée ça qu'elle a remporté ou du moins c'est un autre pays qui va remporter? Ben, nos opinions pour nous en commentaire. Nous prenons les dans le pays l'Italie côté que Inter de Milan gagne rencontre face avec Salernitana qui a balayé un titre de champion d'hiver. En effet, journal là qui mettait à la une, c'est Inter contre Inter. Journal là qui allait plus loin pour le faire connaître que Inzaghi, qui est nouveau coach équipe Inter de Milan, voulait pour capable augmenter statistiques suite avec Antonio Conte qui était champion l'année passée. Toujours en parlant de l'équipe Inter de Milan, mais c'est déjà officiel, Christian Eriksen n'est pas joué Inter de Milan encore puisque résilié contre Ayona en entente. Après un malaise cardiaque qui était obligé pour le mettre en défibrillateur, mais Serie A italienne n'a pas permis de jouer avec appareil ici là. Inter de Milan a eu entente avec Christian Eriksen de jouer une entente amicale pour capable résilier contre Asila. Toujours information en bref qui est Brésil avec Argentine qui capable intégrer Ligue des Nations Europe là pendant 2024. Mais comme bol là avec UEFA Nations League là qui a déjà joué une entente pour Brésil avec Argentine en 2024 capable jouer Ligue des Nations en Europe. Nous avons toujours été dans information en bref avec sélection Argentine qui confirme un match qui va gagner le 1er juin qui va venir là qui va gagner trophée là-dedans. Sélection Argentine qui va gagner pour jouer face avec sélection italienne lui-même qui est champion d'Europe face avec champion Copa América. Un match qui va gagner pour jouer le 1er juin 2022 dans le pays l'Angleterre. On va retourner qu'on a toujours dans le pays l'Italie avec Jonas Sa qui fait qu'on est que Anthony Martial lui voulait quitter coûte que coûte l'équipe Manchester United là pour rejoindre la Juventus de Turin. Jonas Sa qui même allait plus loin pour le faire qu'on est que lui-même qui voulait quitter coûte que coûte Manchester United lui qui a rejoindre l'équipe Juventus de Turin en mois de janvier qui va venir là. En manquant de Julie Vlé, on porte deux sorties qui carabent la Juventus de Turin. Juste avant que nous arrivions dans le pays l'Espagne, qui nous remercie tous les nouveaux abonnés nous, ou même qui fait nous confiance et qui déjà mettez un like en bas vidéo. Ou même qui pour faire ça, qui soit obtenu, mettez un like en bas vidéo, ça qu'on a ça vraiment encouragé de vous monter plus de vidéos pour toujours. Et si vous abonner avec la chaîne YouTube, là, il y a un bouton rouge dans la vidéo, cliquez sur l'icône pour vous abonner et activer la notification. Mettez sous tout comme ça chaque jour pour recevoir tout ça qui a dominé l'actualité football là, avec résumé Golio. Nous avons entendu dans le pays l'Espagne avec Journal As qui venait avec une très mauvaise nouvelle pour l'équipe Real de Madrid là et qui mettait à la une Covid là, qui frappait fort Real Madrid. Rodrigo Asensio, Gareth Bale, Lunin et Meovini avec des Modric, Marcelo également qui testait positif. Il y a un petit Carlo Ancelotti lui-même tout qui s'est entraîné adjoint équipe Real de Madrid lui-même tout qui testait positif au Covid-19. Mais ça qui fait que Real de Madrid non tête chargée dans le moment ça avec plusieurs joueurs qui testaient positif. Et bon, côté par les journal Marca, lui-même lui mettait à la une, il y a une sixième vague attaqué Real de Madrid. Mais quand même, journal là qui fait qu'on est que match face avec Cadiz qui va gagner pour jouer pendant le week-end, ça, et bien il n'est pas vraiment mis en danger, bien que tout joueur ça veut être mis là en quarantaine. Et match gagné pour jouer face avec l'équipe Athletic Bilbao également, il n'est pas en danger, mais quand même, c'est vraiment là, il y a un gros coup du pour Real de Madrid. Nous voilà les Kounia bon côté FC Barcelone avec une information Mercato avec Jonas Sport qui mettait à la une Ferran Torres et mais c'est déjà un pariage total pour lui. FC Barcelone qui considéré comme un recrut stratégique puisque il a gagné un OK et un accord total de joueurs pour qu'il vienne dans le mois de janvier qui va venir là. Bon côté par Ligue 1, deux conditions, MSC sorti, continue avec rénovation Ousmane Dembélé. Journal Mundo Deportivo a même déjà considéré Ousmane Dembélé comme une clé pour fair play et mais pour qu'il mène Ferran Torres dans l'équipe ça. Mais s'il t'a renouvelé avec FC Barcelone, ça qui a fait que Massaria la cabine plus légère pour FC Barcelone pour mener Ferran Torres. Et bon côté par Ligue 1 Journal Les Sportifs qui mettait à la une un coup de volant pour Ousmane Dembélé. Mais actuellement FC Barcelone qui vraiment a réorienté pour qu'il y ait une renovation Ousmane Dembélé qui est capable de meilleur joueur selon le journal ça dans la position qu'il y a. Le
Journal Sport également qui vient avec une autre information pour le faire connaître que Sikuna Gero qui allait prendre retraite, c'est une mauvaise nouvelle, mais quand même aller dans l'équipe FC Barcelona à permettre que capable inscrit Daniel Alves pour FC Barcelona dans la Liga avec l'autre compétition. C'était un gros plaisir pour nous déporter dernière sortie nous pour semaine ça pour mes amis souterrain mes vidéos ça sur mes travail ça que nous avons fait chaque jour pour vous partager vidéo pour nous sur Facebook sur WhatsApp avec toutes les amis qui aiment football. Quant à pour nous, n'abdou bon week-end tout le monde à lundi si Dieu veut pour une nouvelle vidéo que bon Dieu bénisse nous pour préparer nous pour retour Christ dans son baraque qui est essentiel.